peut-être pas passer loin. Battez-vous, mais battez-vous à la fin! Ici. Explore les lieux. Il reste peut-être quelque chose. Sobek, veuillez intégrer ce témoignage dans Apollon et le relier à toutes les mentions de mon nom et de l'opération Victoire Pérenne. Je suis le général Aaron Erez. De 2060 à 2066, j'ai été chef d'état-major des armées américaines. Il s'agit du plus haut rang d'officier de l'armée des États-Unis. Dans le cadre de ma fonction, je m'occupais de la stratégie et de la supervision de l'opération Victoire Pérenne. Un leurre destiné à tromper la population civile des États-Unis et celle des autres nations pendant les 14 derniers mois de vie sur cette planète. Avant le fléau Pharo, je me dévouais corps et âme à mon métier. J'étais audacieux et ferme, habile en manœuvre politique. Le fait que je sois propulsé à la tête de la plus importante armée mécanique jamais créée n'avait rien d'un hasard. Mais pour quel résultat? Ma seule victoire pérenne fut l'extinction de la vie sur Terre. Et la seule chose que j'ai faite pour me rattraper a été de retarder cette extinction de quelques jours à peine, en provoquant encore un peu plus de morts. J'espère sincèrement que la prochaine civilisation humaine n'aura plus besoin de gens comme moi. Si vous écoutez ce message et que vous faites partie de cette nouvelle civilisation, sachez que je suis désolé. Et que je vous souhaite le meilleur, avec mes excuses. Aaron Erez. Ce berceau. Elisabeth a expliqué que c'est dans ce genre d'endroit qu'une nouvelle génération d'êtres humains allait être créée. En effet. La montagne de la Toute-Mer, c'en était un? Il n'y a qu'un seul moyen d'en être certain. Impossible d'ouvrir la trappe. Une histoire de registre alpha corrompu. Il faut que je fouille le bureau d'Elisabeth.
La logique ne suffit pas, Ted. Pour que ça marche, il faut que Gaïa ressente un investissement, des émotions. Et si elle disjoncte ? On n'a donc rien appris de nos erreurs ? De tes erreurs, tu veux dire ? Tout ce que je dis, c'est qu'il faut une sécurité. Elle est née hier, Ted. On ne va quand même pas pointer un pistolet sur la tempe d'un nourrisson. T'en parles comme d'un enfant. Et si elle se transforme en monstre ? Elisabeth, puis-je parler hors protocole ? Bien sûr, Gaïa, vas-y. Je me dois de vous contredire. L'argument de Monsieur Farrow est fondé. Pour l'instant, l'évolution de ma psyché n'est pas complètement prévisible. Pour préserver au mieux la vie, un système de sécurité peut s'avérer une précaution nécessaire. Voilà. Satisfait, Ted ? S'il te plaît, Lisa, fais ce qu'elle dit. On dirait que ça contenait quelque chose. La morphologie des composants qui auraient été retirés. Mais les caprins semblent en mesure de transporter des charges bien plus importantes. Tu apprends vite, Gaïa. Docteur Sobek, j'ai entrepris une analyse comparative des morphologies des mammifères qui m'a permis de rassembler des données sur l'extinction de l'ère quaternaire. Ah ? Et qu'en déduis-tu ? Gaïa ? D'un point de vue logique, cette extinction était naturelle. Oui, mais... Mais... Je trouve la disparition de la mégafaune terriblement triste. Le fait que ces espèces aient disparu me plonge dans un chagrin que j'ai du mal à décrire. Est-ce un dysfonctionnement ? Non, non, Gaïa, c'est bien. Au contraire, c'est très bien. Tu expérimenteras une courte perte de conscience le temps que la réintégration finale soit complétée. Elisabeth, puis-je parler hors protocole ? Quand tu seras en ligne sur le nouveau site, nous activerons les fonctions subordonnées pour une évaluation. Elisabeth, je perçois un stress. Est-ce que tout va bien ? Ça va ! Il est vrai que les circonstances nous obligent à un lancement prématuré, mais tous les sous-systèmes sont opérationnels. Tout devrait très bien se passer. Mais si... Gaïa, il ne reste plus rien. Personne ne peut survivre sans une combinaison de protection intégrale. Des milliards de victimes, dans la peur et la douleur. Et si... Et si c'était pour rien ? Elisabeth, l'extinction était inévitable. Grâce à vous, la vie pourra renaître. Tu le crois vraiment ? Je crois en vous, Elisabeth. Grâce à vous, rien. Je suis trop chargée. Le fichier principal du registre Alpha. Un vote ? Oui. Pas de signe de corruption. Alors qu'est-ce que tu attends ? Copie le fichier. Avec ça, je vais pouvoir restaurer le registre de la trappe de la toute-mère. Le débloquer et y entrer. Et révéler tous ses secrets. Là où j'ai vu le jour. Et peut-être... Peut-être qui m'a mise au monde. Qui ? Tu es vraiment si naïf que ça ? Tu ne trouveras aucune femme là-bas, Aloy. C'est une chose qui t'a donné naissance, pas une femme. Espèce d'ordure. Peut-être, mais moi je ne suis pas une abomination. C'est toi, Aloy, qui a été créé par une machine.
Mais quel genre de machine? Et pourquoi? Pourquoi t'avoir créé? L'éclipse. Il faut que tu sortes de là. Tes découvertes sont beaucoup trop précieuses. Tu es beaucoup trop précieuse. Toujours en vie, tant mieux. J'ai prévu une mort beaucoup moins douce que ça pour toi, fillette. Toute ma vie, j'ai toujours été absolument certain d'une chose. Que j'étais destiné à la gloire en tant que champion du soleil. Même après le meurtre de Jiran, même après la chute de Méridian, je n'ai jamais douté de mon destin. Jusqu'à ton arrivée. Quand j'ai appris que tu avais survécu, le doute s'est insinué en moi. Aussi sûrement que le soleil se lève et se couche, ceux que je destine à mourir meurent. Sauf toi. Comment? Pourquoi? À chaque site de fouille attaqué, chaque soldat abattu, le doute prenait de l'ampleur. Il a grandi quand le haut prêtre Bahavas a disparu. Et quand le roi soleil Itamen a été enlevé, il a plus que grandi. Il s'est imposé. Je ne pensais plus qu'à ce moment où ma lame s'enfonçait dans ta gorge. Un geste, un simple mouvement de lame, et je t'aurais tué. Assassiner, c'est mon domaine d'excellence. Alors pourquoi? Pourquoi je n'ai pas accompli mon destin? Si t'as l'intention de continuer à déblatérer, tu peux me tuer tout de suite. Oh non, nous ne sommes pas pressés, toi et moi. Plus maintenant. Ou alors un peu de torture, plutôt ça que de t'écouter. À ce moment-là, sur la montagne, j'avais bien l'intention de t'abattre. Et pourtant, non. Pourquoi? Cet échec m'a poursuivi. A hanté mon esprit. Ce n'est que quand je t'ai capturé, là-bas, dans ce lieu, que j'ai enfin compris la raison pour laquelle le soleil t'avait mise en travers de mon chemin. Il était dit que tu survivrais sur la montagne, que tu attaquerais les sites de fouille et tuerais mes hommes, que tu éliminerais le haut prêtre Bahavas, que tu enlèverais Itamen. Mais aussi, il était dit que je te capturerais, ici, pour que tu trouves la mort dans une offrande sacrificielle au soleil. Tout est tel qu'il devait être, prédestiné, écrit à l'avance. Sacré destiné. Tu ne fais que suivre des ordres, ça n'a rien à voir avec un dessein cosmique. Tu es un pantin, et c'est Hadès qui tire les ficelles. Un pion manipulé par des forces plus grandes. Ça serait risible, si ça n'engendrait pas tant de violence. Hadès est une machine des temps jadis, pas l'ombre enfouie de la mythologie Karja. Il n'a que faire de Méridian. Il veut anéantir tout et tout le monde. Et toi? Tu es fier d'être son esclave. Ce n'est pas l'ombre enfouie que je sers, mais l'ombre créée par le soleil.
la moitié de chaque élément de la nature unie sous une même bannière. L'ombre pour le soleil, les ténèbres pour la lumière. Tu te rends vraiment pas compte du ridicule de ce que tu racontes ? Tu servais un roi soleil meurtrier et dément. Et maintenant, tu réponds à une machine. Tu ne t'élèves pas. Tu sombres. Je saurai m'en souvenir quand je regarderai brûler ton cadavre. Ou ce qu'il en restera. Tu n'essaies même pas de comprendre. Mais c'est moi qui ai triomphé de toi et de mes doutes. Et cette nouvelle certitude s'accompagne d'une puissance incommensurable. Alors ouvre cette cage et mets ta foi à l'épreuve. Vois si les choses se passent comme tu l'attends. Le cercle s'est refermé. Chaque élément est à la place qui lui revient, exactement où il doit être. La bête errante, enfermée, va rencontrer sa destinée, celle d'une offrande sacrificielle. Oh, en parlant de sacrifice, j'ai oublié de te dire, quand tu as fait planter le réseau de l'éclipse, j'ai envoyé des messagers à l'est pour y rallier des forces et organiser l'invasion des terres sacrées. J'ai ordonné le meurtre de tous les Nora. J'espérais que tu en ferais partie, mais hélas, j'ai bien peur que tout ce sang ne soit versé pour rien. Les Nora n'ont rien à voir là-dedans. Laisse-les tranquilles. Bientôt, ils n'auront plus rien à voir avec rien du tout. Ça, tu peux me croire. De toute façon, je ne peux pas rappeler mon escouade même si je le voulais. Puisque tu as fait disparaître notre réseau, les communications à distance sont impossibles. Tu t'es condamné toi-même, mais aussi ta tribu. Ne vois-tu donc pas le jugement impitoyable du soleil dans cette histoire ? Ton focus, quel puissant dispositif, n'est-ce pas ? Et pourtant, si fragile ? Ah. Comme tu le vois, cette fois, je n'ai pas hésité. Ma lame est déjà enfoncée. Réjouissez-vous. Ces années passées dans l'ombre vont prendre fin. Une nouvelle aube est sur le point de voir le jour. Une nouvelle ère, prête à prendre forme. Et le moment venu, le faux roi soleil trouvera la mort. Et Méridian, la sacrée, retombera entre nos mains. C'est dans ce but que moi, je suis devenu l'instrument de la prophétie. La moitié de chaque élément, toutes réunies par une même cause. Les ténèbres pour la lumière, l'ombre pour le soleil, la nuit pour le jour. Admirez ! Tenez-vous tranquille ! Ne savez-vous donc pas reconnaître la preuve de la bénédiction du soleil ? Selon vous, comment des ombres d'une telle nature pourraient-elles évoluer à la lumière du jour ? Le soleil ne les avait pas bénis et ralliés à notre cause. Il y a bien longtemps de cela, pour consacrer cette fosse, Kiral leur a dû ordonner que des mécréants soient brisés par la fureur d'un mastodonte. Le mastodonte est puissant sous la lumière du soleil, mais il le devient encore plus lorsqu'il est envahi par les forces de l'ombre. Que cette femme, que cette fourbe sauvage, soit la première à mourir. Et qu'elle soit la première d'une longue série. Ah !
chose sans armes. Toutes mes armes sont sur la plateforme, et je ne peux pas sortir de la fosse. Je peux peut-être retourner sa force contre lui. Thank you.
Tu es là. Pour de vrai. Tu as risqué ta vie. Bien sûr que oui. Si tu étais morte, la montagne sacrée des Nora aurait conservé ses secrets. Eh ben, sache que t'as perdu ton temps. Elise a détruit mon focus. Et le registre Alpha avec. Rassure-toi. Quand j'étais encore en contact avec ton focus, je faisais une copie de toutes les données que tu scannais. Les installer sur un nouveau focus a été un jeu d'enfant. Joyeux anniversaire, Isaac. Le grand garçon que son papa aime à la folie. T'as vraiment le don de te rendre détestable, Silence. Mais j'ai pas trop le choix. Il est temps d'aller voir où tu es né. Et que tu découvres pourquoi. Oui. Je vais rencontrer la machine qui m'a donné la vie. C'est bien ce qui s'est passé. Au revoir. Attends. Oui. Comment tu as fait pour me retrouver alors que je ne portais pas de focus ? Oh, je t'en prie. Pas besoin d'être un génie pour comprendre qu'Elise comptait te jeter dans la fosse du soleil à midi. J'ai épuisé deux galopeurs pour arriver à temps, mais j'ai réussi. Maintenant, va-t'en. Depuis quand tu sais pirater les machines ? Depuis que tu as découvert comment le faire. Pour ça, j'ai dû détruire un corrupteur pour récupérer les pièces nécessaires. Mais là encore, c'est toi qui m'as montré comment faire. Un avantage de plus à suivre tes activités via ton focus. Cela dit, la logique pratiquée derrière la méthode ne diffère pas tellement des rites pratiqués par les chamans Manouk. Mais bien sûr, en plus avancée. Super. C'est sympa, je crois. Elise t'a reconnue dans la fosse du soleil. Tu m'as dit que tu avais aidé l'éclipse. Pas que tu connaissais l'homme qui a tué mon... qui m'a presque tué. Maintenant, tu le sais. Cet homme est réellement très dangereux. Alors faisons en sorte qu'Hadès et lui ne parviennent pas à leur fin. Bien. Je vais me mettre en route. Et pour ne rien arranger, Elise a envoyé une escouade de l'éclipse attaquer les terres sacrées Nora. La tribu est déjà affaiblie. Ils ne survivront pas. Je voudrais que tu m'accompagnes. Il en est hors de question. J'ai des choses à préparer ailleurs. Quel genre de... Pourquoi je persiste ? Tu diras rien. Quand le moment viendra, je te contacterai. Je te contacterai. En attendant, si tu dois retourner sur le territoire des Karja de l'Ombre, je t'ai apporté de quoi te dissimuler. Tu penses vraiment à tout, pas vrai ? Heureusement pour toi. Aloy, pendant que tu récupérais le registre Alpha dans le bunker d'Aube Zéro, je n'aurais pas dû être si cruel. J'espère sincèrement pour toi que quelqu'un t'attend à l'intérieur de la montagne. Un être humain, un vrai. Ya ! Thank you.
odeur. Des arbres qui brûlent. L'étreinte. Les tours de guet sont en feu, mais les sentinelles ont eu le temps de prévenir les tribus. Chercheuse, tu es revenue. Où sont tous les autres? Ils sont partis. Ils se sont réfugiés dans la montagne sacrée. Mais les mécréants et leurs démons les ont poursuivis. Je peux t'aider? Non, chercheuse. Je suis perdu. Ça ne sera plus très long. Maréa. On n'était pas du genre à prendre la fuite. En tout cas, on a perdu cher mon sang. Au bout du compte, j'imagine que c'est aussi bien comme ça. Protéger l'étreinte. Mais les portes n'ont pas tenu. C'est ça le futur d'Hadès. Du métal. Et des cendres. Pas de place.